Enfin, journée bateau. Fait qu'aujourd'hui, ce qui se passe, j'ai mes amis, Beau, ils s'en viennent ici. Par la suite, on part, on arrête au team parce que clairement, c'est un craving. Chaque fois qu'on faisait du boat, autant Ariane que moi, quand on avait fait du boat avant, on arrêtait au team. Fait que c'est comme un petit rituel. Bien évidemment, j'ai mangé un peu avant. Là, après ça, on va aller rejoindre chez Sam, celui qui a vu le vlog Ottawa. C'est un de mes potes qui a son chalet. Puis il y a chalet aussi. Fait que ça va être une super belle journée. On prend ça off un petit peu aujourd'hui. C'est sûr que ce soir on va work. Mais prendre du temps un peu, faire du bateau, ça va être le fun. Fait que là, on va aller chercher vous. Puis. On the road we go. Ok, là, on va me texter Ranto AW, mais il est pas là. How come? Faut que tu sois inquiet tant qu'à être ici. C'est tellement stressant, mettons, tu vois avec ta blonde pis ton ami faire de la route. Genre, qui s'assied en avant? Ariane, of course. Mais là, tantôt, elle me dit, je vais m'asseoir en arrière, je vais aider, je vais te laisser avec ton ami. Là, je suis comme, est-ce qu'elle veut s'asseoir en arrière ou c'est un piège pis là, il faut que je dise non, assieds-toi en avant. Ben, en même temps, c'est pas tant moi qui décide. Genre, rendu là, c'est. Ouais, mais. C'est sûr que je connais David, là, il va dire non, assieds-toi en avant. C'est trop polite, handsome, respectful. Gros, je suis exactement là. Check toi, t'es là-bas. Je sais, je te vois. Mais j'allais te filmer en plus pour te l'envoyer. Ok, à tantôt, bro. À tantôt. Où tu pars? Oh, tu retournes à Québec après? Ouais. Ok, je sais pas ça. Ça va? Ouais, toi. Merci, mais. Ah, t'inquiète. Est-ce que tu te prépares, ton plein? Hein? Oh! C'est une nouvelle caméra, ça? Non, c'est pas une nouvelle. Ah. On est parti. Bon, les gars, ils viennent d'arriver. Moi, je m'étais fait un petit smoothie bowl. Fait que je mange. Puis après. On est dans l'auto en route, puis là on est arrêté se prendre une petite émotion. Je me suis pris un café infusé à froid avec du lait d'avoine et de la vanille. Toi? Ouais, matin, je suis travailleur avec un givré vanille puis un beigne caramel. Mais le marketing m'a eu encore là. Ça me montre le beigne. Beigne caramel. La dernière fois, ce qui est drôle, c'est qu'on avait arrêté au même team puis on avait goûté les biscuits caramel. Puis ils étaient bons là. Le caramel, ouais. C'est le best. Tu peux goûter? Ouais. Ah, puis il est bon. Ouais, hein? Pour y pêcher du poisson. Est-ce qu'on a hâte d'arriver? Vraiment, j'étais carré. Puis j'ai envie de réaliser que c'est le fun live, mais dans 5 heures, quand on va être brûlé, fatigué, faut quand même reconduire 2h30 de retour à la maison. Part of the game. C'est Sarah qui va conduire. Non. Non? Check, ils mettent un lin dedans. C'est bien drôle. Est-ce que vous avez déjà vu ça, vous? Un lin dans un lunchbox. Je suis quand même choquée. Je suis sûr de prendre ça, là, un sandwich straight up. 5 piastres, fromage. Voici nos achats. Sandwich à la dinde, puis avec des petits brownies. Sandwich à 5$ à la dinde, pas de sauce, super sec. Plein de protéines. T'as pris quoi? Marin, à viande. C'est bon? Un peu sec? Ouais. Il n'y a pas de sauce. Il manque de sauce. Puis évidemment, popcorners. Pour le bateau. Tu sais, ça va rendre les gars contents. C'était un bon call d'avoir acheté des popcorners. Tellement bon. Ah, c'est que je suis prévoyant. Bon, t'es arrivé en retard chez Sam, hein, Samy? Fait que là, on a gâché la journée, ben. Sam est reparti, il est allé vers Red, pis Chris. Est-ce que tu filmes live? Ben oui, il filme live. Oh, il est où? C'est quoi tes impressions? Mes impressions? De mes amis? Sans ouais, il n'y a pas trop confiance là-dessus. Mais là, on fait du surf, fait qu'on n'a pas les pieds attachés. C'est ça? Ouais. C'est ça, hein? Fait que ton défi, ça va être de lâcher la corde. Lâcher la corde? Ouais. Ben, ouais, tu vas être capable, d'après moi. Puis toi, t'as déjà fait du surf? Ben, j'en ai déjà fait une couple de fois il y a longtemps chez au chalet de mon ami Harry, mais j'étais pas encore super bonne. J'ai hâte de voir ça, en haut? Ouais.
je vais mettre un wave shaper. Wave shaper. Ça, ça forme ta vague, ça fait une petite belle vague. Tu vas voir dans deux secondes. Ouais, c'est une belle journée. T'es mon beau. C'est. Okay, bon, oui, un peu de soleil, live. L'eau est vraiment bonne, j'ai hâte que tu y ailles. Ouais, ouais. Un petit peu froid. Ben, j'y aller quand je vais surfer. Il rock les couloirs en plus, hein. Ok, c'est toi le prochain qui surfe? Ça a de l'air. Game on. Okay, je vais tout vous montrer comment gérer ça. Oh oui, beaucoup de passion. Merci, merci, merci. Tu sors un pro, même? Ben, pour vrai, on dirait. Je sais ce que je fais. Quel trip ça va. Ben non, mais tu sais. Ouais, là, je fais quoi? Mais tu sautes avec la planche. Puis elle va rebondir sur moi? Non, pas de problème! Là, je fais quoi? Là, tu chilles dans l'eau. Ouais, ouais, chill dans moi-même. Ah. Il recule tes pieds. Ouais, parfait. Là, essaye de flotter de même, on va te mettre sur le trottel. Quand tu pars! Ah, il a pas fait d'adaptation, lui! Ouais, il a son temps, mais bon, on va laisser ça aller. Tu es déjà écrié? T'es déjà prêt? Ben ouais! Ben écoute! Ouais! Puis en plus, il a dit, on dirait que j'en ai déjà fait quand il était dans la vague. Non, pour vrai, c'est trippant faire ça. C'est la première fois de ma vie que je faisais ça. Ouais. Puis avec un bon chauffeur de main, qu'est-ce que tu veux de mieux? Merci. Reste autour. Ariane. Hein? On a un instructeur. Ouais, mais c'est. Très instructeur. Parfait. Ouais. Ton autre pied un peu plus ambigu. Ah oui, c'est une pro, là. Elle fait la fille, mais. Ça allait, tu tiens? Ouais. Quand t'es prêt, tu peux dire un petit mot magique. Go, ça va. C'est gros pied. C'est quoi là, toi? Je vais rester en vague. Quand je suis à la corde. Oh! Ah ouais? Oh, ah ouais? Non! Ok! Il y a de la bonne vague, c'est dur. Let's go! J'ai clenché, mais ça paraît qu'il était fait hier, par exemple. Ouais. Comme, tu comprends-tu la dinde un peu? Ouais, c'est bizarre. Plus, mais. J'ai plein d'eau dans les oreilles. Moi aussi. Tu sais que j'avais la tire d'oreille, en tout cas. Bonjour! Comment ça fait gris? Pourquoi t'as fait deux fois? Ben, c'est juste, ça va couper. Comment ça fait gris? Ouais, hein? Ouais. Comment ça fait gris? Les temps commencent à être tough. Le beurre et l'argent du beurre. Le beurre et l'argent du beurre. Journée de bateau terminée. C'était cool. Oui, bonjour les rides. Pour vrai, ça fatigue, là. C'était le fun, le surf. Ouais, vraiment. On a découvert une nouvelle passion. Ben, je pense que oui. Je pense qu'on va chercher une planche, un bateau, un chalet, un ponton. Exact. Tout ce qu'il faut. Prochain plug, on s'achète un chalet. On a décidé d'arrêter au Saint-Hubert. Mon assiette est vraiment brune, par exemple. Et brune? Ben, non, mais tu crois dessus. Tu sais, une assiette qui est brune, ouais, c'est une assiette qui manque de légumes. C'est ça. On va prendre nos greens en avant. Ah oui, il faut. Mais là, pour l'instant. Bon oignon. Moi, j'ai pris une assiette de poitrine de poulet. Bon appétit. Est-ce que vous prenez votre crème? Comment on dit ça? Traditionnelle ou crémeuse? Moi, je prends crémeuse. Toi aussi? Ouais. C'est après, je sais pas qu'on va faire ça. On dirait que je sais plus comment parler. On a terminé de manger. C'est quand même bon, mais j'avais pas assez une grosse portion de protéines. C'était surtout des frites. Y'a rien, elle a tout mangé son poulet, pas mangé de carbs. Eh, bonne bague. Mon amour! On va chercher une crémole! On y va-t-il après? Ah, ben oui, c'est littéralement en face. Ouais. Question de faire un petit peu de steps parce qu'à date, ben, on est peut-être à 1000. Hey! Peut-être 1000 pas, mais on a 1000 km de fait aussi en auto. Ça demande du sport! Hey!
Ouais, mais on a quand même fait. Ouh, la butte, elle a l'air assez à pic. Est-ce que ça s'est fait klaxonner, tu penses, ou c'est. Ouais, à cause que. Vic Mix à caramel. C'est comme au McDo. En vrai, je sais pas. Crème molle enrobée. Sinon, il y a juste la crème molle régulière, là. Donc là, ça a l'air qu'il y a une sorte de la semaine. On va y aller. Twist vanille et saveur de la semaine. Petite. Pourquoi tu connais pas saveur de la semaine? Que au moins, t'es sûr d'avoir vanille de bon? Parce que la crème molle, ça veut dire qu'elle va être genre vanille pis kiwi, mettons. Ouais. Ok. Puis l'enrobage, je prends quoi? Je vais prendre enrobage. Caramel salé. Alright. Bon, il s'est passé quoi? Ok, puis là, on arrive à côté du système de crème glacée. Puis là, je vois saveur pêche. Je suis genre, fuck, c'est la saveur de la semaine. J'avais un feeling. Je me suis dit, imagine c'est saveur pêche. Littéralement, j'avais un feeling. Puis j'aime pas la pêche. Fait que je dis, non, je veux vanille. Mais finalement, rien, c'était même pas twisté. Ouais. C'est juste vanille aussi. Ok, j'ai vu qu'elle a mis vanille. Puis moi, je me sens trop mal pour dire que c'était pas ça. Puis de toute façon, on dirait que je voulais vanille finalement. Ça goûte vraiment Ferrero Rocher. Oui. Ça goûte au même. C'était beaucoup trop sucré, j'aurais pu prendre une mini. Oh my god, je suis vraiment pleine. Oh, là. Oh. Il me ressemble un peu. Pas vraiment, non. Ouais, j'ai un petit peu mal au cœur après tout ça, là. Ouais. Mais il fait beau. Fait que là, on va aller. On refait des steps. On est tellement des steps, eux. Ben oui, on aime trop ça faire des steps. Je pense que oui, puis là, on va. J'ai perdu mon mot. Tu voulais aller prendre quoi, hein, au def de l'eau? Bouteille d'eau. Ouais. Bouteille d'eau. Puis on est parti après. Après ça, hit the road back home, hein? Hit the road. J'ai quand même un petit peu d'eau à faire, mais c'est ça. Non, justement, brûlé. Brûlé dans quel sens? Brûlé dans tous les sens. J'ai hâte de dormir, on dirait. J'ai hâte qu'il fasse froid puis qu'on dorme bien au froid. Oh my god, mon mec. Hey, on a quand même une drôle de journée. Une énorme journée. C'est fou qu'on soit déjà à la maison puis il fait encore clair. Oui. Après tout ce temps de route, hey, c'est fou, cette belle journée. T'es tellement cute dans Cotahuaté, là. Ah, on est bronzé. C'est mon état naturel. On est tellement plus beau. Hey, pour vrai, hein? Le glow-up qu'on a là. Glow-up à la fin de l'été. Oh! Ok, là, on faut travailler quand même. Ça me tente pas, ça me tente d'écouter des émissions sur Netflix. Ok, ben, on se revoit après notre travail. Est-ce qu'on va se revoir? Est-ce qu'il y a du travail? Okay, pas trop bizarre. Oupsie, on a oublié de finir le vlog hier. On devrait être aujourd'hui. Je sais pas si vous avez remarqué dans nos derniers vlogs, quand il y a pas de fin, c'est parce que des fois on arrive puis on oublie de faire la fin. Mais là, on s'est donné comme mission qu'on allait tout le temps. Ouais, ou au pire là, on la filme comme live. Le lendemain matin. Mais qui, en tout cas vous allez voir, ça part la journée de demain. Ouais, donc là, on commence le prochain vlog, mais... Bye guys! Bye!